suis dans un état. Il va me falloir une semaine là pour m'en remettre, c'est pas possible. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maddy. Vous le savez tous, depuis de très nombreux mois, Maddy est en couple avec Benji. Et tout semble aller pour le mieux pour eux. Il y a plusieurs jours, Maddy s'était confiée sur ses réseaux sociaux et elle avait révélé qu'avec Benji, ils avaient énormément de projets en commun, comme le fait de se marier et d'avoir des enfants. Vous le savez probablement tous, actuellement, le tournage de la toute nouvelle saison des Marseillais est en cours au Mexique et on va pouvoir entre autres retrouver Maïra Genam, Greg, Paga, Julien Tanti ou encore Benji et pas mal de nouveaux. Le compte Instagram Shayera TV avait révélé que dès les premiers jours du tournage, un énorme clash avait éclaté entre Maïva Genam et Benji. Ce compte a également révélé qu'à la suite de ce clash, Maddy s'est envolée direction le Mexique pour se confronter à Maïva. Shayera TV avait également révélé que durant ce tournage, normalement, Benji et Maddy se fianceront. Je vous laisse sans plus attendre avec les snaps de Maddy qui rejoint le tournage. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Après 22 heures de vol et là je dois attendre 5 heures changer de terminal pour prendre un autre vol. Comment vous dire que c'est Pékin Express, c'est le plus long voyage de toute ma vie, j'en peux plus. En plus j'arrive ici, il est 15 heures, il y a 10 heures de décalage avec Dubaï, je suis dans un état, il va me falloir une semaine là pour m'en remettre, c'est pas possible ce genre de voyage. Ça y est, le périple de Pékin Express est terminé. Je viens d'arriver à l'hôtel. Douche et lit direct. C'était vraiment un voyage très très, très long. En fait, c'était surtout très long. J'avais déjà fait le Mexique, mais comme de base, j'étais de Paris. Il n'y avait qu'un vol de 12 heures. Là, de Dubaï, comment vous dire que Dubaï, c'est ici. Le Mexique, c'est de l'autre côté de la planète. Donc là, j'ai dû faire un vol de 22 heures. Il y a eu un arrêt à Barcelone juste pour qu'ils remettent du kérosène dans l'avion, pour qu'ils puissent repartir. Ensuite, au Mexique, j'ai fait 5 heures d'attente pour mon deuxième vol, pour arriver là où je suis, où j'ai pris un van pour me ramener jusqu'à l'hôtel de 1 heure. Donc comment vous dire que je suis KO. Et en plus, il y a le décalage horaire, alors je vous explique même pas comme je suis décalquée. Là, il est minuit 50 ici, alors qu'en France, il doit être presque 8 heures du matin. Et à Dubaï, il est presque midi, enfin là c'est dans ma tête, c'est un carnage, donc je vais essayer de dormir quand même, mais ce fut un voyage très très long, et en plus toute seule, du coup c'était vraiment chiant, mais je l'ai fait, youhou je l'ai fait, donc là, dodo.